Salut à tous, c'est Mister Fanax, c'est une partie de la MC4 Team pour la fin, de MVO saison 4. La fin de MVO. Tout notre stuff a été acquis légalement. Et c'est parti, l'attaque de l'armée aérienne. Allez, go, go pour le dragon. YOLO. YOLO. Salut Water. Salut. Direction le portail de l'Est. Allez, direction le portail. Je vais déjà m'écraser moi. Il est où le portail de l'Inde? Par là-bas. Je m'écrase la gueule. Je crois. Il est là. Putain. Ah non. Oui, c'est là. Je suis juste devant. J'ai envie. Merde. Putain. Je rappelle du dernier épisode. Traversé. Nié. Il est où? Il est là-haut. Merde. Je suis dans le mauvais sens. Alors, si vous vous demandez comment arriver là-bas, la réponse est simple. Voilà, je suis la troisième personne. Zef. Ça dépend, il a des motifs morts. Par contre, si on se fait tous les Endermen. C'est quoi cette merde? Par contre, ils sont des Endermen qui ont juste les Elytras. Les Elytras ne comptent pas comme un plastron, elles ont pas autant de défense que plastron, les Elytras. J'ai été tué? C'est inédit. What the fuck? Aïe! Oh, l'Ender Dragon qui s'est bouffé mon bouclier! Ah, je reviens vite. S'est bouffé mon bouclier. Et donc, pour rappel du concept de. J'essaie de freiner. Arrêtez de me pousser, les Enderman! J'en ai rien à foutre de vous! Vous êtes des merdes pour moi! Oh. Faut pas clasher. Putain, par contre, c'est la violence quoi. Contre l'Under Dragon, moi j'ai. Aïe! J'ai un ennemi par contre. Il m'a poussé, Wader! N'importe quoi! Ah, merde. Allez! J'arrive à la. Ça se marche! Ah! Le dragon me souffle dessus! Et qui décrit que ce à quoi on s'attendait, hein? Ouais. Oh là. Mmh, je suis très bon à l'arc. Non mais sérieux, il a jamais regardé un Enderman. Oui. Les Endermen sont violents dans cette version, c'est cool, je m'y attendais pas. Non mais c'est sous CLV, c'est pas ça le problème, c'est surtout que quand t'as les Elytras, c'est comme si t'avais une pièce d'armure. Mais tu sais, moi j'ai. Bon, par contre, sérieux, les Endermen c'est relou. Ah bon? Mais pourquoi ce spawn de merde? Sauf moi pour le petit indice d'armure. Putain, il chante. Alors. On prévient là, c'est gentil, je suis un petit échantillon. Alors, je sais pas si vous, si une Fanax peut me voir actuellement. Je ne sais pas, moi je suis en train d'essayer d'escalader les tours. T'es où? Moi aussi, je suis en train d'essayer. Ah. Et actuellement. Maison. Ah, c'est toi là sur la colonne d'eau. Vas-y. J'ai une maison, c'est wesh. Ah. Une water shock, une water column. Elle est. Eh merde. Elle est water column. Je suis littéralement fail. Bon, par contre, moi je suis le petit. Moi je remonte. L'équipe, je vais et là, ça va envoyer. Là, ça va être violent. Les gars, je m'occupe des grosses tours avec les boîtes en fer. Je débride, genre. Je m'en fous, je redescends. Moi je prends celle-là, hop. Mais comme ça le foire m'envoler. Putain, t'es sérieux? Qui a fait ça? Alors. De quoi? Tour en bloc de pierre. Je reviens, je suis mort. Ça c'est moi ça. Ça c'est Water. T'es sérieux? Alors là par contre, j'aimerais bien ne pas être propulsé par l'explosion si possible. Alors moi ce qui me marre, c'est que du coup j'ai voilà. Profité. Bon, je suis presque mort, mais pas tout à fait. C'est quoi ça? Non, c'est pas le moment de se faire buter par le dragon. Alors moi je descends hein. Bonjour, il reste combien de tours là? Attaquez le dragon, attaquez le dragon. YOLO! Voilà, tu vois CLB quand on disait qu'il est plus facile. Aïe! Attaquez-le. Faut juste pas être dans son souffle, sinon c'est la mort. Allez, YOLO! Ah merde, il est en train de me donner des coups de corps en fait. Ah bah oui, évidemment. Il prend plus les flèches. Ah, à mourir. Oh purée, les Endermen là sont partout. Endermen everywhere. Les Endermen sont un peu plus intelligents. Ils semblent qu'ils se défendent instinctivement l'Under Dragon quand on l'attaque. Génial. Tu vas me faire buter. Ah. What? Ah, bordel de merde! Comment ça, l'usine magique? What? L'Under Dragon utilise de la magie? Et ça veut dire qu'en gros, qu'il t'a tué avec son souffle. Ah merde, ok. J'ai toujours mes wings. Enfin, ouais. Mais miracle! Miracle, heureusement que j'ai mes pommes en or, moi. Putain! L'Under Dragon, il est plus dur, hein. Est-ce qu'on peut mettre une musique épique? Une musique épique, ça marche.
Tu penses ça, Fanax, hein, oh purée, y'a un Enderman random qui a popé. Attention, c'est élevé. Oh, je sais pas pourquoi je t'appelle l'Enderman, c'est une grosse conne. Oh, y'a une tour, hein. Pourquoi y'a du diam, c'est là, c'est qui s'est tué? C'est moi. Ouais, Watershock se permet des choses. Eh, au fait, Tinjoff, t'as pas fait de bière? Ouais, non, j'ai 5. T'as pas fait ta cuvée spéciale? Non, j'en ai pas fait, j'en avais pas besoin. Ah oui. Hop. Ah oh, merde. Alors là, faut faire gaffe. Ou Zender merde. Ou Zender merde. Attention. Voilà. Ah, et là c'est bien. Là c'est une victime. Ça c'est l'Under victime. Wow, c'était pas prévu ça. Hashtag Skyrim. Oh purée. Dovahkiin. Dovahkiin. Allez. C'est pas le moment de mourir. Purée. Non, non, c'est pas le moment de se faire. Génial. Je veux dire, par le dragon est plus facile, c'est que tu vois, tu arrives avec alors qu'il est avec force 2 alors qu'il est au sol, et c'est gagné, quoi. Avec du force 2 aussi, non mais les mecs, quoi. Ouais, ouais, j'ai du force 2. Mais nous on l'a pas. Nous on l'a pas, mais avec les force 2, c'est pété. Ah, ça c'est le combat contre le dragon que j'aime. Envoyer des canards, des centaines de flèches sur le dragon sans qu'il ne fasse jamais rien. C'est... ça, c'est mon vrai combat contre le dragon. Oh putain. Oh, nul, c'est belle cette fée. Me faire tuer non pas par un dragon, mais par des misérables Endermen. Eh, attendez, moi j'arrive. Le dragon est moins dangereux. C'est même pas où vont mes flèches, tellement ça lag chez moi. Ouah. Attendez, le tuer pas. Il arrive au centre. Sautez. Le tuer pas. Le tuer pas. Bim. Cool, on a loupé la fin. On l'a loupé. J'arrive à la fin. Je t'aurais dit en plus le tuer pas. Le... Et voilà. Et voilà, c'est la fin. XP. Le dragon est eu. What? Pensez sincèrement que c'est fini. C'est le bug. Vous pensez sincèrement que tout est fini? Non, c'est pas possible. Ah non, toi ta gueule, t'as rien à foutre ici, hein. Allez, dégage. Non. Non, il reste quelque chose. Évidemment. Quel dégât, putain, mais je vais courir, en fait. Purée, non, pas les Endermen, je déteste les Endermen, je hais les Endermen. Par contre, j'arrive pas à prendre des dégâts, moi. Saleté. Aïe, je vais mourir. Non, mais il faut faire gaffe quand tu marches. Purée, les Endermen, ils me collent au basque. Le pauvre. What? Merci, j'étais dans les menus, c'est très sympa, Enderman. Depuis que j'ai les ailes, je me fais victime. Non, je viens pas là. Allez, je lui tire dessus avec mon arc pété. Le problème, c'est que je prends tout le temps l'aggro des Enderlol. Attendez, laissez-le descendre. J'espère que t'as ton son un peu baissé, Fanax, parce que sinon la vidéo. Ouais, non, mais j'ai fini par bien baisser le son parce que c'est ultra relou. Il va pas tarder à descendre. Préparez-vous à le frapper. Arrêtez de lui tirer à l'arc. Mais non, on peut pas faire ça. Pour l'instant, on en profite là. Tant qu'il est. Ah, c'est bon. Allez, il entre en phase 2. Il est parti. Il vole dans tous les sens. Reviens là. Je frappe des Endermen aussi, c'est pas mon signe. Ça va mal se finir. Meurs, hérétique. Pour la gloire de Joris. On s'esquive un peu. Là, c'est l'aggro en plus dans notre. Il est où? Hop. Putain. Allez, il est bientôt fini. Ah, faut le faire revenir là. Attendez, faut le faire revenir. Je l'aurai. Ah, il va tomber dans le vide là. Non mais ah bah rip le wizard. Et c'est ainsi que le Wither se suicida comme un lâche, contrairement à CLB qui, comme vous pouvez le voir, continue le combat, même dans la mort, il est toujours prêt à vaincre ce Wither. Ce petit couard de merde. Non, là c'est... Là, il faut attendre qu'il revienne par contre. Il reviendra pas, il fait que descendre quand il est dans cette forme. Non. 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 Ainsi, Mr. Fanax se suicida avec héroïsme, contrairement à ce petit couard de merde de Wither Boss. On a perdu le Wither. Par contre, c'est moi où les Endermen se font frapper par des trucs invisibles. Bah attends, je regarde. C'est un truc. Ouais, sérieux, j'ai du mal à comprendre ce qui est en train de se passer là. L'Enderman est en train de se battre contre lui-même. Oh, par contre, là, il. Bon. Attends. Je rêve où j'ai mis tous les enchantements sauf protection. Ouais, mais oh c'est purée, je suis trop un bolos. Je suis dans le vide. Le caméraman t'emmerde, Wither. Perdu dans l'Hunter.
Oh mince, je rate le combat contre le Wither. Ah oui, d'accord. Oh purée, le gros fail. Je voulais manger en volant. Tu sais que si tu fais ça, regarde, ça fait apparaître un mini Wither. Regarde, tu as le mini Wither, regarde. Regarde le tout mini Wither. Il est où? Oh, il est mignon. Il est mignon. Oh, il est mignon. Il revient ici. Il est mignon. Allez, il est où? Oui, mignon, il est tout petit. Billy. Où il est là? Il y a une laisse. On peut pas l'attraper, le Wither. En plus, il est complètement inoffensif, c'est mignon. C'est dommage. Oui, il grossit assez vite, hein. Sa croissance est rapide. Ouais. Ils sont tout mignons puisqu'il a trois têtes, mais. Oh, tout ce qui est petit est mignon. Attends, tu peux le refaire, c'est pas tout mignon. C'est dingue. Putain, mais il est vraiment en train de grandir. Oh, je suis fier de lui. Bah oui, il grandit. Ah, mais il va devenir grand, il va quitter ses parents. Ah, il va vouloir nous défoncer la gueule. Tant qu'il a pas atteint sa taille maximale, il est invincible. Wither. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi il Wither, je suis. Je suis ton père. Deux cœurs. Je suis ton père. Il grandit vite. Ouais, par contre, pourquoi il a déjà un autre adulte là? Il est où? C'est pas lui. Je mets mon bouclier. Si c'est lui qui attaque. C'est déjà une racaille à son âge, comme c'est mignon. Il attaque déjà les Underman. C'est ça. Ne sois pas raciste, mon fils. Cesse de tabasser les Underman seulement parce qu'ils sont noirs. Je dois vous avouer que j'ai très peur qu'on se fasse attaquer en justice à cause de cette phrase. Il est trop mimi. Oh. Reviens là, le Wither. Reviens là. Oh, sérieux? Putain, je savais pas ce que c'était. Non, attention, il va falloir l'euthanasier, il a trop grandi. Voilà, bon bah c'était l'euthanasie facile. Oh, il est beau. Voilà. Et par contre, il est un peu bugué. Oh non, pas les Undermen, non, c'est pas le moment. Sérieusement. Je pense que c'est bien amusé, c'est pas mal qu'on rentre dans l'Overworld pour mettre fin en bonne et due forme à la série. Et je voulais vous dire... Il est un peu bugué par contre. Il va exploser, quand il va exploser, je me demande les dégâts que ça va faire. Vous voulez pas bien, par contre, il est toujours invincible. Oui, tant qu'il explose toujours... pas, il est invincible. Ouais. Explose, enfoiré. Explose. Vas-y. Il a un timer qui le fait exploser à chaque fois. Tu verras, c'est cool. Allez chercher Creepy. Oh mince, je me suis réfugié dans le portail, du coup. Je crois qu'il faut entendre un truc genre 10 000 tics, hein. J'ai mis 10 000, donc... Bon, Selby, t'es où? Ça fait quand même 1000 secondes. C'est où, c'est le B? Merci, enfoiré. Je suis juste devant le portail là. Ah ouais. Bonjour. Mais non, mais. Mais personne ne m'écoute. Attends, bon, les gens, on se réunit devant dans l'Overworld devant le portail. Aïe. Merci de ton amabilité. Aïe. Merci, vous avez bugué le serveur. Oh, ça fait bugger le serveur, c'est trop cool. Oh non. Ah oui. Un bug de serveur plus tard. Ouais. J'ai dit Yolo. Thunder, moi aussi. Ouais, les correspondants. C'est normal que ce soit aussi. Bon. C'est un peu délabré par là. Venez. T'as c'est normal. J'arrive. Mais c'est juste que je crois que ton slash kill m'a fait complètement bugger. Qui balance des leviers? Ah voilà. Parce que là, je suis sur un écran noir. D'accord. Bref. What? Oui! Luc! Oui! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais sérieusement! Qu'est-ce qui s'est passé? La grosse attitude! Mais oui! Approbation, non, évidemment! Ça sera sans jeu, de toute façon, d'ailleurs, ça va faire un peu moins agressif. Sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Soyez c'est prêts, parti en steak très brièvement. Il en faut peu pour faire marrer les 4, hein, il y a un grand niveau. C'est pas grave. Non, sérieusement? Non! Trop de cruauté, c'est LB. Et donc c'est en train de brûler, c'est merveilleux. Et voilà, c'est là-dessus que la série va se finir. On accélère un petit peu le tout. On accélère. Vas-y, à commencer. Et voilà. Je t'aime. C'est toute cette série qui part en flamme. Oh, regardez la code spirit. Le front part en flamme. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la code spirit qui part en flamme. Tu vas se conclure la série. Le tronc qui prend feu. Voilà. Ça risque de prendre un peu de temps. Tu peux augmenter le random tick speed? Et c'est ce que j'allais vous proposer. Vous voulez que ça aille plus vite? Attends, je me mets en game mode. Minute, on va assister à ça. D'abord, j'ajoute un petit peu de flamme.
Voilà, 500. Là, par contre, le serveur va lâcher. Non, je brûle. Vraiment avoir une sacrée puissance. Je brûle, il brûle. Oui. Et voilà, nous contemplons l'arbre des tuiles qui s'enflamme. Je vais protéger ma maison. Game over. C'est pas à peine. Donc l'autre Joris a brûlé. Si. Je voilà. peux la protéger. Le feu se propage le long du tronc. Le temple de Notch sera le seul épargné. Et ça commence un peu à laguer, effectivement. Des FPS en masse. Alors, c'est tout d'abord cette maison qui part en flamme. Celle où il y avait toute la culture de weed illégale. Même si c'est des carottes. De cocaïne. Je peux protéger ma maison. C'est peine perdue, Tinjoff. Tout va brûler. Je peux le faire. Faites-vous en game mode 3. Décidence. En game mode 0, je vais pour profiter du wing. Tinjoff essaie de couper sa maison du reste. Mais on s'en fiche. On s'en fiche. Je flambe, moi. C'est le bicho, moi. Tout l'arbre des tuiles flambe. L'arbre des tuiles est en flamme, et mon dieu, c'est dingue que le serveur survive encore, là. Ouais, il tient bien la route. Moi, je lag, hein. Ah, ma maison est encore loin. Et de brûler chaque bout de branche. Moi, je m'en fous. Ma maison mourra peut-être, mais mon île, jamais. Purée. Il y a toutes les cultures, toute l'eau des cultures qui est en train de se déverser. Il y a l'arbre qui est éventré. Il y a la piscine de lave. Attends, il y a la piscine de lave du temple de Notch qui est en train de se déverser partout. Il y avait une piscine de lave dans le temple de Notch. Bah, on vient de le découvrir. Depuis quand? Je ne sais pas, mais il y avait de la lave. Il y en avait beaucoup même. Oh putain. Qui m'a emmené à l'intérieur de... Ah. Oh, il y a eu un freeze. Non, mais maison. Alors, ma maison, que devient-elle? Ma maison est encore épargnée. Ma maison de Tinjoff, là, est en train de prendre feu. Pas assez vigoureusement, protéger, malheureusement. Je l'ai protégé, je l'ai coupé du reste. Et peut-être ça, que le serveur tient, hein. Mais moi, je ne tiens pas. Ah, moi, je tiens, ça va. Eh ben, attendez. C'est un beau flambeau. C'est un beau flambeau. Voilà, hop. On met des flammes ramble. Random. Ah ouais, du coup, oui, Spiritus se coupe du monde, mais Spiritus brûle quand même. Ça brûle bien, Spiritus. Hein. Je m'en fous, ma maison tient. Et moi, je m'en fous, ma maison, elle est en pierre. Je vous ai tous baisé. C'est inondé à mort. Elle est où, la maison de Fanax? Ah, c'est dommage qu'on puisse pas mettre les shaders à cause de la snapshot. Ça va devenir impossible. Bon, bah, je fous le feu à ma maison parce que je suis pas un bâtard. Je vais mettre de la TNT dans la maison de Fanax. Hey, tu viens de me précéder. Enfin, tu m'as précédé. J'étais en train de mettre en route pour. Je vais essayer d'y aller. J'essaye d'y aller là pour l'instant. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, ton île était très belle, Tinjoff. Hein. C'était un grand miracle de l'architecture. On aimait beaucoup. Voilà. Mais sache que personne ne l'appréciera jamais à sa juste valeur. Oh. J'arrive. Oh, je suis reconnecté. Ah, par contre, ça bug la TNT. Hein. Allez, allez, on balance. Tinjoff, ton île était belle, mais FPS par contre sont pas bons. Je vois les TNT. Ah, que ton île est belle. Ah, que ton île est belle. Quand elle explose. Voilà. C'est pas mal. Ok, maintenant ça crash. Non. Ouais, bon, on close définitivement le serveur là. Oh là, ça va pas. Allez. Oh, ça va, ça va. Attends, moi je reste jusqu'à la fin. Je reste jusqu'à ce que ça crache. C'est le BTNT d'explosion. On peut générer déjà la map de MVO5. Eh bien, on le fera dans le prochain épisode de Minecraft est offert, tout court. Voilà, ça bug. Minecraft est offert, tout court, sera un teaser. Probablement un teaser. Et il y en aura un autre. Ce sera un méga timelapse de construction du bâtiment d'entrée. Admirer ce que la MC4 Team sait faire de mieux, n'importe quoi. C'est un fantastique visuel, je pense, pour conclure cette saison de Minecraft vous êtes offert. D'ailleurs, la saison de MVO5, elle va commencer en 1.8. En 1.8, probablement. Avec le magnifique lag. Et bah, du coup, je pense que sur ce, on va conclure. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je crois que le serveur vient de cracher. Exactement. Allez, salut. A bientôt et à la prochaine saison. La dernière outro de cette saison de Minecraft vous est offert ne sera pas l'outro habituelle. Elle sera donc moi qui parle sur une voix off à un rythme posé pour marquer l'événement.
où je vais vous informer un peu de comment se passera MVO5 pour vous remercier de regarder des vidéos en entier. Minecraft vous est offert, saison 5 sera sur une map classique avec quelques constructions au spawn qui nous seront fournies par Tinjoff. Elle contiendra des dizaines d'éléments qui rappelleront l'entièreté de Minecraft vous est offert et tout ce qui a fait le sel des saisons précédentes, et surtout sera ouverte au public. N'importe qui pourra venir et à condition d'une petite candidature plutôt légère pourra jouer avec nous et ne pas simplement rester en spectateur. Il y aura un certain nombre d'items cachés, là encore référencés sur les saisons précédentes de Minecraft vous est offert. Un teaser est en cours de préparation, des constructions se font actuellement sur la map, on bosse sérieusement là-dessus. J'espère que ça vous plaira une fois arrivé, je pense que oui car de toute façon quoi qu'il arrive vous pourrez participer. Ceci dit, tout se basera sur la confiance. Il n'y aura probablement pas de plugin, qu'il soit anti-cheat ou autre. Si jamais un joueur pose problème, il sera kické ou banni du serveur ou simplement remis en mode spectateur. Si jamais la map est atteinte de problèmes graves, on reprendra un backup automatique. Ils se font tous les jours à 3h du matin sur notre serveur. Donc, pas la peine de tenter de cheater quand la série sera là, parce que de toute façon, ça ne mènera nulle part. Chaque chose interdite entraînera un downgrade de la map. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi toute cette saison, l'une des meilleures à mes yeux. Pas aux yeux de Tinjoff, mais chaque saison de Minecraft s'est offert est différente et apporte quelque chose au patrimoine de la MC4 Team. Celle-ci n'est pas en reste, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc sur ce, je vous dis une dernière fois pour cette saison, au revoir et à la prochaine. C'était CLB.